Bonjour et bienvenue à l'office de tourisme situé au pavillon des arts et du patrimoine qui accueille actuellement l'exposition « Rêve de nature » de l'artiste peintre et verrier Nathalie Dumontier. Alors vous pourrez découvrir ses œuvres du 9 juin au 12 septembre et en attendant on a rendez-vous avec l'artiste. Allez, on y va. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors première question, quand et comment l'artiste en vous est né? Y a-t-il eu un déclic qui vous a lancé sur cette voie de la peinture ou du travail du verre? Depuis petite, en fait, j'ai toujours aimé les arts plastiques, tout ce qui avait attrait à l'art, que ce soit la peinture, modeler de la terre, tout ce qu'on peut faire quand on est enfant, en fait. Hein. J'ai emmené ma fille Faustine dans un cours d'art plastique au Musée des Beaux-Arts de Chartres. Et là, il y avait des cours pour adultes. Et ça m'a donné envie. Quand je suis rentrée dans ce magnifique musée, j'ai eu envie de recommencer à dessiner et peindre et de prendre du temps, consacrer du temps à ça. J'avais un prof que j'adorais, quoi, qui est toujours vivant, M. Daniel Derennes, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me suit toujours d'ailleurs. On échange souvent, on se contacte, on s'écrit. Et Daniel nous mettait face à des œuvres dans le musée, il fallait qu'on les interprète ou qu'on les reproduise. Enfin, il nous donnait des thèmes assez structurés. J'ai adoré et ensuite j'ai commencé à peindre à l'huile, tout de suite à l'huile. Vivez-vous de l'art ou est-ce que vous avez un autre métier à côté, voire un troisième métier, ou est-ce que vous ne faites que de vivre de votre passion? Non, je vis de cet art. Donc j'ai un atelier à Chartres où je travaille le verre et la peinture. Alors le travail du verre est venu un peu par hasard en fait. À Chartres, il existe le Greta qui propose une formation de verrier pendant un an. Donc pendant un an, j'ai mis entre parenthèses la peinture et je me suis formée à devenir maître verrier pour apprendre le vitrail, montage traditionnel au plomb. Et ça, j'ai adoré. Voilà. Donc, après, j'ai passé mon diplôme de CAP verrier et j'ai commencé. Je peux aussi faire des vitraux. J'en fais moins maintenant. Je me suis acheté un four de verrier et là j'ai fait mes petites expériences de fusion de verre, etc. Et là c'est vraiment le résultat de plein d'expériences. D'accord. Donc vous vous êtes diversifié dans l'art. Et ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez dire que vous avez un art favori entre la peinture non. Et. Non. Et le Je ne peux pas me passer ni du verre ni de la peinture. Et ils se complètent tous les deux? Complètement. D'accord. Et j'aime beaucoup associer les deux. J'aime beaucoup présenter les deux. D'où vous vient votre inspiration par rapport à ces œuvres que vous créez autour du verre et de la peinture? Je suis surtout inspirée par la nature qui m'entoure. Les ambiances, En fait, quand je commence à peindre ou à travailler le verre, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire. J'ai envie de peindre, il faut que je peigne. Et là arrive le choix de la palette. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bleu, de vert, de rose. Il y a des couleurs que je travaille jamais en peinture. Les rouges, c'est très très rare. Par contre, j'aime bien travailler dans le vert. Parce que ça n'a pas le même rendu pour moi. Je ne suis pas dans la représentation, dans la figuration. Je suis plus dans l'émotion. À travers vos œuvres, dans quel style artistique vous situez-vous? On me classifie dans l'abstrait, mais je trouve pas que ce soit. Pour moi, c'est pas forcément abstrait. Le verre, je sais pas si. Je sais pas si on peut classer. Et pourquoi classer d'ailleurs? Jamais aimé qu'on me mette dans des cases, moi. Parmi les œuvres exposées au pavillon des arts et du patrimoine de Châtenay-Malabry, est-ce que vous avez un coup de cœur et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette œuvre et de nous
illustré à travers vos explications votre regard d'artiste créateur. En fait, ça, c'est une toile que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, pourquoi expliquer pourquoi j'aime beaucoup cette toile, j'en sais rien. J'aime beaucoup la palette. On a l'impression qu'il y a plein de couleurs, mais il y a trois tubes de peinture et ce ne sont que des mélanges, en fait, des dégradés. Et il y a même des couleurs que j'ai réalisées, que j'ai du mal à refaire, comme ce sont que des mélanges. Mais j'aime beaucoup l'ambiance de cette toile. Alors, pourquoi ? J'en sais rien, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je l'ai appelée « Rien d'impossible ». Je l'ai décliné après sur d'autres supports. Et puis, j'allais faire une expo, je ne sais plus où, enfin bref, et je voulais faire du verre. Et je me suis rendu compte, c'était pas conscient, mais j'ai utilisé les mêmes couleurs. En fait, c'était vraiment la palette que j'avais dans l'œil à ce moment-là. Alors, celle-ci, c'est une œuvre en verre fusionné. Donc, vous avez deux épaisseurs de verre. Je travaille d'abord sur une première plaque de verre où là, je mets tous mes pigments. Et les pigments qu'on utilise pour le verre n'ont pas forcément la couleur qu'on voit avant cuisson, après cuisson. En fait, c'est un peu comme les pigments qu'on utilise pour la terre. Parfois, ça n'a rien à voir entre ce qu'on voit et ce qui sort après oui. sur le four. Donc, il y a de beaux hasards. Parfois, comme là, cette bulle-là, je savais que j'aurais des bulles parce que j'ai un petit... Bon, c'est pas un secret de fabrication, mais enfin, je sais que si j'en mets beaucoup, je vais avoir une bulle. Mais aussi grosse, non. J'imaginais pas. Et qu'est-ce qu'un fan pourrait vous offrir qui vous ferait profondément plaisir ? Un fan de vos toiles ? Je sais, une belle émotion, une de mes toiles. Voilà. D'accord. Donc vous êtes gourmande de belles émotions, alors. C'est ça. C'est votre péché mignon. C'est ça. Bon, bah c'est un beau péché mignon. Du bonheur. Merci Nathalie pour cet échange avec nous autour de vos œuvres, de votre vie, de votre art. Donc vos œuvres sont en exposition ici du 9 juin au 12 septembre 2020. Et nous espérons que les visiteurs seront nombreux à venir les découvrir. Voilà. Au pavillon des arts. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous de nous recevoir. Thank you.